Un an après, le Real Madrid n'a toujours pas digéré de s'être fait souffler Kylian Mbappé par le PSG. C'est en tout cas ce qu'a révélé le vice-président de Monaco Vadim Vassiliev. Il est des joueurs qui laissent des regrets et Kylian Mbappé en fait visiblement partie. Du côté du Real Madrid, on n'a en tout cas toujours pas digéré d'avoir loupé le prodige monégasque l'an passé comme l'a révélé le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vassiliev. Interrogé par RMC Sport ce mercredi soir avant la finale de la Supercoupe d'Europe entre les deux clubs madrilènes, le russe s'est amusé des regrets madrilènes. J'ai parlé avec le président du Real Madrid Florentino Pérez et à chaque fois qu'il me voit, il me reproche toujours de ne pas lui avoir vendu Kylian Mbappé. Le dirigeant russe va tout de même rappeler que, s'il a vendu Mbappé au PSG plutôt qu'au Real, c'est notamment parce que le principal intéressé a souhaité rejoindre Paris plutôt que Madrid. Je lui réponds que c'était le choix du joueur mais il me le reproche toujours, Vadim, tu ne m'as pas vendu Kylian. Du côté de la Maison Blanche, on cherche en tout cas toujours le successeur de Cristiano Ronaldo, un sujet redevenu brûlant après la claque en finale de la Supercoupe d'Europe, 2-4 face à l'Atlético.